Ouais, non, mais ça, je comprends, mais après, bon, c'est le rôle de la propague, hein. Là, il n'y a pas photo, c'est le rôle de la propague, après, hein. Et tu peux avoir la meilleure antenne du monde, si la propague n'est pas là, eh bien, t'avanceras pas, t'y arriveras pas pour autant. Voilà, et de toute façon, même en voiture, tu peux faire du DX, hein, il n'y a pas de souci, hein. Je vois, tiens, par exemple... oui, t'en as avec de simples ML 145, ils te tapent des cuissons ADX, il n'y a aucun problème. Toute une histoire de propagation et de couloir de propagation. Voilà, tout tient de là. Hein. Et ton antenne, heureusement, tu peux faire du DX avec. Quand même, c'est une antenne de fixe. Hein. Donc, il n'y a aucun problème. Hein. Et tu as des antennes plus faibles que la tienne et les gens font des super contacts avec. Hein. Non, non, le tout est d'être là au bon moment, quoi. Au bon moment, au bon endroit. Voilà, c'est tout, hein. Ouais, les stations, désolé pour la surmodulation, les bandes 73 à vous tous, de la part de Dandy 33 et JFK. Ah ben justement, tiens, je crois que c'est Christian, enfin c'est Marmande. Hein. Là, il n'y a pas de souci, c'est les stations de Marmande. Ah, il te surmodule, là, il te passe par-dessus. C'est pas plutôt Christian de Marmande là qu'on entend derrière? Il me semble bien que si, il me semble reconnaître sa voix. Rémi, 73 à toi et 73 à l'autre station, JFK, là. C'est 428, QTH Marmande. 73, Serge. 428, JFK, c'est 428. Ah, moi je l'entends, hein, il n'y a pas de souci. Hein. Christian, là, 428, je l'entends très bien. Il me passe même plus fort que JFK. Ouais, JFK, ouais, ça sera d'après G-Serge, là, qui est pas très loin de QIRA, Aquitaine 07, voilà, ça me revient. Voilà, il te fait dire que c'est son QRZ, c'est 428. Ah oui, c'est vrai, j'ai remarqué ça. Sur Marmande, il marche souvent par numéro. Ouais, bon, chacun son truc, hein, il n'y a pas de souci, et moi ça me dérange pas. Hein. Ben si, Christian me passe plus fort que JFK, même. Ouais, JFK, tu l'entends tout petit, toi. Alors, côté antenne, moi j'en connais une bonne. Et là, j'en suis convaincu, je suis sûr là de sûr et certain de moi. Ah merde, je bafouille.
de ce que je vais te dire, la Mantova 8. Elle fait 8 dB de gain. Elle fait partie des plus performantes. Et elle a une très bonne longueur en même temps et elle est assez solide. Hein. Et c'est celle que j'ai sur le toit. Hein. Et oui, effectivement, tu peux regarder sur Internet la Mantova 8 là, est vraiment l'une des meilleures. Hein. Aussi bien à tous les points de vue. À tous les points de vue, elle fait partie vraiment des meilleures. Ouais, non, mais je sais comment elle est, certaines 2000, il hein, n'y a pas de souci. Ben, c'est une bonne antenne, hein. Au contraire, hein, c'est une excellente antenne. Hein. Je me souvenais plus que tu avais la certaine 2000, je pensais que c'était une demi-onde. Ah non, c'est l'ancienne antenne qui est une demi-onde. Oui, autant pour moi. Celle-ci, la certaine 2000, ouais, c'est une 5/8. La mienne aussi, hein, la Mantova 8 aussi est une 5/8. Mais elle est beaucoup plus longue, elle fait dans les 7 mètres, dans ces eaux-là, quoi. 7 mètres, 7 mètres 50, je ne sais plus trop. Il faudrait que je vérifie ça, mais c'est dans ces eaux-là, quoi. Non, mais ouais, si c'est la certaine 2000, il n'y a pas de souci, hein, ne la change pas, garde-la, celle-là. Hein. Par contre, avant de la monter, est-ce que tu l'as bien décapée, bien nettoyée? Ok, ben en ce qui me concerne, là, j'ai pas mal d'occupations. Sur Internet, puis en même temps, on m'a demandé un truc là côté informatique, là côté Linux. Donc là, j'ai des tests à faire et tout ça. J'ai gravé des live CD. Ben, c'est Demir 18 qui s'intéresse un peu à Linux. Alors, avant de lui proposer certaines versions live CD qu'il peut tester sans installation, j'ai d'abord testé de mon côté, voir si ça sera bien adapté et tout ça, si ce sera facilement compréhensible, et puis ainsi de suite, et ainsi de suite. Là, je vais avoir pas mal d'occupations maintenant. Donc, de toute façon, si je suis pas là, je serai sur les fréquences plus hautes en BLU. Enfin bon, là je vais être assez occupé, donc effectivement, les bonnes 73 à toi, les bonnes 73 à tout le monde, et à plus tard, sinon à la prochaine. Hop là, je m'étrangle. Et oui, je répète alors, les bonnes 73 à toi, à tout le monde, bonne journée, à plus, sinon à la prochaine, ici ou sur des fréquences plus hautes. Ouais, bonne journée à toi. Ciao, ciao, ciao. Ciao.